Donc ici on se trouve dans le local cuisine avec le garde-manger et la pâtisserie qui seront sur ce côté-là. Et là où je me trouve, ce sera le poste d'envoi, le poste de dressage avec les trois postes différents, donc le poisson, la viande et le poste légumes juste en face, face à la vue. Alors ici nous serons dans le salon d'accueil du bar, quoi, un genre de petit bar d'accueil. Puis derrière moi il y aura la salle de restaurant avec une capacité de 38 à 40 couverts. Donc voilà, et puis un petit bureau, l'accès réception sur ma gauche derrière moi. Et voilà, donc petite capacité quand même, parce que l'idée c'était pas de faire une usine à gaz. Donc voilà. Alors cette aventure elle commence par la rencontre de Serge Vieira, accompagné quant à l'expansion à Schotzegg, sur un site qui effectivement est pour nous remarquable, disponible, puisque c'est un patrimoine qui appartient à la commune. Un domaine qui appartient à la commune avec lequel nous avons forcément toute une histoire touristique mais qui de ce fait peut être valorisée. Alors c'est un château qui est classé, qui est vraiment une propriété que la commune et le conseil municipal souhaitent garder en propriété propre. C'est elle qui, en tant que propriétaire, est maître d'ouvrage, qui monte le projet pour 3 millions d'euros environ, et qui fait une convention avec Serge Vieira et un bail commercial pour pouvoir mettre à disposition cet outil pour l'exploitation par Serge Vieira. Alors Serge Vieira, bien sûr, lui s'occupe de toute la partie mobilière, de l'équipement de la cuisine, de façon à pouvoir s'installer dans ses objets, dans ses matériels professionnels. On a une adrénaline un peu qui commence à monter puisque on a un peu, entre guillemets, le jouet qui sort du carton et c'est vrai que c'est motivant, on a envie d'y être. Alors les grandes étapes, c'est qu'ils ont démarré le gros œuvre. Et donc tous les murs aujourd'hui, on peut le voir, sont sortis de terre. On a déjà une vision globale du projet, ça commence à prendre forme et c'est très motivant. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit que le plus impressionnant. Donc il restera encore tout l'aménagement intérieur, passer les réseaux électriques, les fils, tout ça. Donc tout ça, ça prend beaucoup de temps. C'est moins mon domaine, moi je pourrais plus vous parler de cuisine, mais c'est vrai que voilà, il reste encore les trois quarts du travail à faire. Alors, le rendu est très satisfaisant. En plus, bon, c'est vrai que le projet architectural a été bien pensé. Moi, l'idée qu'on avait, c'était d'avoir un bâtiment qui s'intègre parfaitement dans le paysage. On aimerait aujourd'hui, nous, avoir l'écolabel européen adapté à l'hôtel. Et où justement, il y a toute une démarche un peu de respect des produits et des choses biodégradables, etc. Donc tout ça, c'est des choses qu'on veut mettre en place sur ce site-là. Oh ben l'intérêt, un Bocuse d'Or à Schotzegg, c'est pour nous un espoir extraordinaire d'avoir une très bonne table, de pouvoir permettre à tous nos restaurateurs aussi un chemin de qualité, puisque nous faisons forcément des parallèles avec l'Aïole, où on a vu petit à petit s'améliorer les cartes des restaurateurs aux alentours de Michel Brasse. Donc Serge Vieira, pour nous, c'est un peu une très très belle aventure et beaucoup, beaucoup d'espoir, oui.